tant que veuve de guerre, on confia à Tatiana l'école des débutants du Bolchoï. Et son fils Sergueï pourrait en profiter pleinement. Tout le monde était très gentil avec Tatiana. Surtout Alexis, un ami de longue date. C'est ce matin, alors qu'il s'apprêtait à embarquer normalement avec la troupe du Bolchoï, que le grand danseur Sergueï Itovitch a choisi la liberté, se réfugiant au tout dernier moment entre deux policiers en civil. Le responsable du Bolchoï a tout de suite précisé qu'une femme était à l'origine de ce choix. Ceci intervenant une semaine après le limogeage de Khrouchtchev, nous consacrerons notre édition de 13 heures à la Russie de 64.